L'amphithéâtre Houdegbe de l'université d'Abomey Calavi a servi de cadre ce samedi 23 mai 2021 à la finale de la première édition du concours Plume Révélée organisé par la presse universitaire Le Révélateur. Ayant pour thème autonomisation et participation des femmes aux instances de prise de décision, ce concours vise plusieurs objectifs selon Gildas Ahoin, directeur de publication du journal Le Révélateur et directeur exécutif du concours. Si vous allez savoir mes motivations, je dirais qu'elles sont nombreuses. Mais ce que je vais souligner notamment, c'est de faire aimer surtout la plume aux jeunes étudiants qui aspirent au métier du journalisme. Donc c'est ma motivation majeure. Sinon, il y a d'autres motivations aussi, c'est pour rehausser également l'image de la presse universitaire, en l'occurrence l'organe Le Révélateur que je représente actuellement. Sur les 11 candidats dont les productions ont été retenues pour la phase écrite, seulement 5 ont pu décrocher leur ticket en se qualifiant pour la phase finale. Devant le jury et le public composé de parents, amis et de professionnels des médias, les 5 candidats finalistes ont tour à tour défendu leur production selon des critères que rappelle Evelyne Sagboran, présidente du jury. Ce ne sont pas nous qui avons décrété les critères, c'est Le Révélateur même qui nous a donné les critères. Et de la première sélection, c'est beaucoup, c'est d'abord le thème, le respect du thème, le respect de l'angle, le respect aussi de l'écriture journalistique en matière de presse écrite, beaucoup d'autres que je ne garde pas ici maintenant. Mais pour la finalité, c'est la gestion du temps, la présentation, l'éloquence et l'orientation qu'on a eu à donner à son travail. Suivant donc ces critères, l'étudiante en linguistique à la FLAC, Nadine Béanzin, a été choisie lauréate de cette première édition du concours Plume Révélée avec une moyenne de 14,38, damant ainsi le pion à Fiacre Awadi, Belmondo Huedote Rumbenu, Gilles-Christ Capo et Isabelle Joapo, même si la qualité et l'excellence recherchées dans les productions et les prestations par les organisateurs n'étaient pas au rendez-vous. Nous n'avons pas primé l'excellence parce que tous les dossiers que nous avons reçus, aucun d'entre eux n'a respecté vraiment ce qu'il y a comme le monde, ce que révèle le monde journalistique dans un reportage comme dans une enquête et autres. Personne. Mais nous avons plutôt encouragé le terrain parce que le journaliste doit aller sur le terrain. Le journaliste ne reste pas chez lui et concorde quelque chose tout simplement. Non. Le journaliste doit aller sur le terrain. Donc, sur toutes ces choses, nous avons essayé d'encourager. Et maintenant, comme conseil, je dirais tout simplement que pour ceux qui aspirent vraiment à rester dans le métier du journalisme, c'est qu'ils doivent redoubler d'efforts, se donner encore plus que ce qu'ils ont fait là et savoir que pour sortir un article, c'est pas je reste derrière les bancs, je sors quelque chose. En plus des divers lots reçus par tous les finalistes, la lauréate Nadine Béanzin reçoit en bonus un ordinateur portatif et un trophée du concours Plume Révélée. Il est prévu aussi le suivi des finalistes en vue de l'amélioration et le renforcement de leurs capacités de production d'articles d'investigation.